Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Annonce 24. Bienvenue au compte de ces journaux. URT, Union pour la Refondation du Tchad, a installé ses membres du bureau de la section communale de la commune du 7e arrondissement. Ce 15 janvier 2021, c'était en présence de plusieurs militantes et autres invités. Reportage Ahmed Moussa Khalil. L'installation des membres du bureau de l'Union pour la Refondation du Tchad se poursuit. Et c'est ainsi que la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena a accueilli cette délégation afin que cela puisse se faire en présence des militantes et militants sortis nombreux pour la circonstance. Il attend son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation de la cérémonie Ousmane Adamou, très réjoui de la présence de tous et invite les sympathisantes et sympathisants de croire au parti URT car l'avenir est prospère. En acceptant de présider à la tête du comité d'organisation de l'installation des membres du bureau communal de notre parti dans le 6e arrondissement, je me suis fait le pari et le devoir de travailler la main dans la main avec tous mes camarades du 6e arrondissement et l'ensemble des camarades du parti. Aujourd'hui, cette conviction se réalise cet après-midi. C'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue dans notre arrondissement et profiter de cette occasion pour adresser à tous, au nom du comité et en mon nom propre, nos voeux les meilleurs pour l'année 2022 à vos familles et surtout à notre parti, l'URT. En définitive, Sévara Désiré est le secrétaire général, suivi du secrétaire général adjoint Molandje Mathias. Il faut noter que cette cérémonie d'installation a été marquée par la prestation des artistes mobilisés et motivés pour la circonstance. La coordination du CMT, Conseil militaire de transition pour la paix, a fait un don de vivres et non-vivres aux personnes vulnérables de Bakara dans la commune du 7e arrondissement ce 15 janvier. C'était dans le cadre de leurs activités en faveur de démunis. On fait le point avec Donatienne Rakindam. C'est un don composé des paquets de pâtes, des moustiquaires et des tapettes qui ont été remis aux personnes vulnérables par la coordination CMT pour la paix. Le délégué Barka Amat a dans son mot remercié la coordination CMT d'avoir pensé en eux en leur apportant son aide. Les bénéficiaires n'ont pas manqué également d'exprimer leur gratitude et leur remerciement à la coordination avant de souhaiter que Dieu les bénisse afin qu'ils puissent venir encore en aide aux d'autres démunis. Le coordonnateur Moumine Tiara a donné les raisons de son geste. On a trouvé que c'est une personne vulnérable, un peu dans la difficulté de survivre. On a tenté à aider un peu pour leurs besoins. Comme le nom est donné, l'association coordination CMT pour la paix, nous on cherche la paix au Tchad. On a encore d'autres associations sous coordination CMT à l'externe et même interne ici. Aujourd'hui c'est le premier activité. D'ailleurs, la coordination CMT pour la paix compte poursuivre son activité dans le cadre de la paix et de la réconciliation sociale. En santé, le bureau exécutif de l'Ordre des médecins du Tchad a fait un point de presse ce 14 janvier 2022 dans son siège. L'objectif de ces points de presse est de faire le bilan des activités de l'année 2021 et les perspectives pour l'année 2022. Suivez un extrait de son président, Dr. Bangui Namdionadi, au micro de notre reporter Donatienne Rakinda. Qui est à votre service dans l'intérêt de la population? Et si parfois certaines de nos exigences administratives ou judiciaires, ou bien juridiques, pardon, peuvent vous agacer, sachez que nous tenons avant tout à protéger notre noble profession et au-delà, vous rappeler combien la moralité saine, la probité et l'entraide restent
des objectifs que nous trouvons essentiels dans le cadre donc de cette mission. La mandature en cours que nous avons donc l'honneur de présenter, de présider, s'est fixée comme objectif général l'assainissement et l'amélioration de la profession médicale au Tchad, au bénéfice donc de la population. Et dans le contexte de l'épidémie COVID-19, l'Ordre national des médecins du Tchad entend jouer pleinement son rôle dans la campagne de lutte contre la pandémie, même si le pouvoir public semble ignorer cela. Aussi, la formation des médecins sur la déontologie et l'éthique médicale reste notre souci majeur et rencontré par les médecins praticiens sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire du pays. Ces difficultés sont parfois intrinsèques aux médecins ou liées à leur environnement d'exercice. Grâce aux différentes sociétés savantes qui ont vu le jour ces derniers temps dans notre pays, nous espérons amoindrir ces difficultés surtout liées aux problèmes de compétences pourvu que ces sociétés fassent leur travail. Au cours donc de l'année 2021, plusieurs situations inconfortables ont amené donc les instances de l'Ordre national des médecins du Tchad à réagir en interpellant donc le pouvoir public ou en prenant des décisions contraignantes à l'égard de certains médecins. Nous avons malheureusement déploré 5 départs, donc 5 médecins nous ont quittés, c'est-à-dire décédés au cours de l'année 2021. Et puis pour finir, l'association des jeunes filles pour l'entraide sociale et le développement à travers son projet de formation et d'encadrement des jeunes filles mères a organisé ce 15 janvier 2022 au lycée Félix Eboué une journée de sensibilisation des jeunes filles placée sous le thème « Jeune fille, lève-toi et construis ton avenir ». Suivez un extrait de la présidente de la dite association au micro de notre reporter Tigabe Clémence. Des filles-mères pour la réinsertion sociale est une initiative que nous avons pris la préoccupation de préparer délicatement il y a de cela une année. Mais suite à la crise sanitaire du COVID-19, l'handicap, certaines activités, nous n'avons pas pu les réaliser comme prévu. Aujourd'hui, avec ce climat de paisibilité qui s'annonce, il est impératif pour nous de songer à sa mise en œuvre. Parlant du contexte du projet, nous sommes conscients de la situation que laquelle se trouve la plupart des filles mères au Tchad. Une réalité généralement déplorable présentant ce groupe de cibles à la société, donc caractérisée par la fragilité, le manque d'entretien, manque de cadres d'éducation et de formation. La situation sanitaire, nous ne citons que cela. Cette initiative consiste à renforcer les capacités économiques de ces filles mères face aux problèmes auxquels elles sont confrontées. La pleine participation au développement durable ne peut être possible que si nous tenons la main à ces filles. La jeune féminine est considérée comme une couche extrêmement fragile qu'il faut l'entretenir, former et encadrer à l'état du développement. Le développement peut être réalisable et effectif que nous changerons nos avis, nos pensées, pratiques antisociales à l'égard des femmes. Elles ont les mêmes droits que les hommes. D'ailleurs, les femmes sont plus intelligentes. Par ces premiers pas, la liste statistique qu'il faut les encadrer, c'est tendre la main à ces filles. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui présents pour vous sensibiliser et donner du courage à ces filles mères qui n'ont pas le courage de faire certaines activités parce qu'ils ont un enfant. Avoir un enfant, ce n'est pas une faiblesse. Un enfant ne diminue rien. Un enfant, c'est tout d'autre chose. J'ai un enfant, je peux faire tout ce que je peux faire. Et sur ce, c'est le fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 1924 à demain, Inch'Allah.